Bonjour, eh bien, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de la Motte Brûlon. Alors, effectivement, rue de la Motte Brûlon, ou je devrais plutôt dire densification land, puisque nous avons été appelés par des collectifs, par des riverains, pour nous dire venez voir ce qui se passe à la Motte Brûlon. On était au courant de quelques projets, on en a découvert quelques-uns. Ici, on est à l'entrée de la Coulée Verte. La liaison entre la Coulée Verte et les Prairies Saint-Martin, donc on pourrait dire plutôt en verdure. Derrière moi, c'est dégagé. Mais derrière moi, il va y avoir deux tours de 7 étages qui vont venir enfermer le terrain de basket ici. Un peu plus haut, on a aussi un nouveau projet avec trois maisons qui vont être abattues, qui vont venir faire ce couloir, ce canyon de chaleur. Et puis on va se redonner rendez-vous un petit peu plus loin. Il y a maintenant en bas de la Motte Brûlon, devant cette jolie prairie, cette ancienne terre maraîchère juste derrière moi. Eh bien, les amis, vous habituez pas trop à ce décor bucolique d'entrée des Prairies Saint-Martin, puisque tout ça va être construit, tout ça va être densifié. Et vous, les habitants que nous avons rencontrés, vous nous avez dit, vous êtes OK pour accueillir, vous êtes OK pour construire, pour partager rennes. Seulement, vous êtes mis devant le fait accompli, vous n'êtes pas concerté, vous n'avez pas votre avis à dire. Alors, j'aurais entendu, si vous pouviez aussi voter, mais maintenant que c'est construit ici, eh bien vous avez peur parce que vous dites qu'il y a trop de densification, trop d'habitants, on ne nous dit rien sur la circulation, on ne dit rien sur le stationnement. Et c'est ça qui vous inquiète. Et vous nous dites en conclusion que vous n'êtes pas du tout entendu par la majorité. On le dira au prochain conseil municipal du 27 juin. À très bientôt.